أكالين تمسنا ملت زرة دم Tinariwen, c'est Ténéré. Ténéré veut dire désert. Pas seulement désert, mais pays. La campagne, quelque part. C'est un groupe qui existe depuis 79. Ils étaient très jeunes, ils étaient à Tamanrasset, dans le sud d'Algérie. Et ils partaient souvent en brousse, entre eux, avec une guitare, faire la fête, boire le thé, etc. Et les gens, ils disaient, voilà, ça c'est les Tinariwen, les garçons de la brousse, les gens de la brousse. Donc Tinariwen, ils ont commencé à jouer des chansons, à écrire des chansons, c'est ça l'importance, parce que ceux qui jouaient, après un moment, c'était plus la musique traditionnelle, c'était peut-être les mélodies traditionnelles ou les rythmes traditionnels, mais les textes, c'était de parler de leur situation, où on est, qu'est-ce qu'on fait, on sent quoi. Et tout ça, c'était une sorte de grande révolution. Dans la culture Tuareg, quoi. Parce que pour la première fois, les gens entendaient une musique qui parlait pas d'un passé guerrier, machin, etc., mais d'une réalité actuelle, une réalité très très dure, quoi. وظل سنة أكل واهم مالي تلن الوقويني عارينا قيم غارا من دارات الدوان انت خلم مجرد الزمان شون دو يجر وان الدينة موتن هرا وان نسنا غان هرا وان نسنا غاني مغارا نسنا وشار سوصان جيزنا فلغتا مراسيت اللي هو دم يقاتن جيتار شون دي لان جيتار هاني قاس شابي تيكيا زي قسم مكوين دغارا نارتي هوري خسي هاني تاجغا تازجي غورس جيتار ساي ساي يا دي تازجي وتو نارا بني ساكنة هارتي يا سم كوين غس س هارتي تجي شغورس جيتار تني Ibrahim est le fondateur de Tinariwen. Du style Tinariwen, de l'esprit. Il a inventé, il a créé un style de guitare qu'on appelle la guitare Tuareg, la guitare blues Tuareg. Il porte quelque chose d'extraordinaire qui est tout entier en lui. Quand on connaît l'histoire d'Ibrahim qui commence quand même de façon terrible quand il est petit, c'est-à-dire son père qui est tué pendant la première rébellion, et lui a 3 ans ou 4 ans seulement. Donc ça, je pense que ça marque un enfant. Mais il n'y a pas que la tristesse dans la musique de Tinariwen, c'est aussi une musique de trance, une musique pour la danse, et il y a ça aussi.
Moi, pour moi, la liberté, c'est d'être indépendant à n'importe quelle façon. Pas forcément de vivre dans un désert. Parce que quand tu vis comme ça, tu as toujours besoin des gens. Tu as toujours besoin d'eau, tu as toujours besoin des médicaments, tu as toujours besoin des renseignements. Tu n'es pas libre. Un animal, en fait, tout simplement, c'est l'eau, c'est la vie. C'est un proverbe Tuareg qui existait longtemps. Quand vous connaissez la situation d'eau dans les déserts, c'est très compliqué. C'est tout le monde dans les déserts qui souffre de manque d'eau. Parce que dans le désert, il faut tout chercher, quoi. Il n'y a rien qui est sur place. Tu vas même pour la nourriture et certaines choses, tu es obligé de voyager, de faire une caravane, aller là où il y a les villes, chercher, revenir. Quand tu veux de l'eau ici, c'est la même chose. Tu es obligé d'aller chercher là où il y a les puits, c'est pas forcément que c'est tout près. Ils ont un esprit nomade, un esprit de liberté, un esprit d'indépendance. Ils sont les dépositaires de la culture libico-berbère. Et nous pensons qu'il est important, par exemple, que le monde sache que cette culture, elle est aussi ancienne, sinon plus ancienne, que toutes ces cultures connues, grecques, latines. Elle a cohabité avec la culture des pharaons, elle a cohabité avec la culture des phéniciens. Et aujourd'hui, les éléments les plus caractériels de ces cultures antiques se retrouvent chez le peuple Tuareg. Les Tinariwen, en réalité, c'est un mouvement culturel qui est né, c'est-à-dire d'abord de tout ce que les Tuareg ont subi comme vexation, comme humiliation. This program is brought to you by Link TV for educational and non-commercial use only. Link TV is the only US network dedicated to global and national news, uncompromising documentaries, and diverse cultural programs. Programs that connect you to the world.